Hello YouTube, c'est Pouni, nous revoici pour une nouvelle vidéo sur FM Manager avec la Juventus. Et comme promis, je vous reprends après la pause Coupe du Monde. Alors, pour être tout à fait complet. Combien? Bah, les États-Unis sont champions du monde. Alors voilà, je suis le premier sur le cul. Les États-Unis sont champions du monde. Ils ont gagné 3-2 contre l'Argentine en demi-finale. Ils gagnent le pénalty contre l'Allemagne. 4-5 France-Espagne. Ah bah première dinguerie. Voilà. Donc je disais... Je reprends après. Donc j'ai fait deux matchs amicaux qui sont pas très bien passés. Je ne sais pas, mais je les ai pas joués. Je les ai mis en mode. Je les ai fait passer direct. Je les ai pas joués en fait. Donc c'est voilà. Donc je ne les prends pas en compte. Sachez-le. Alors niveau tactique, un abonné a eu la très 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 bonne idée de me parler de Paredes et de me dire qu'il y avait une dinguerie dans son contrat. Voilà. Après 25 matchs, et je ne l'avais pas vu, et je devrais regarder, j'en regarde pas assez. Après 25 matchs disputés, j'aurais dû débourser 22 millions et demi d'euros. Donc je vais arrêter de le faire jouer, ou en tout cas le moins possible. Et donc, il me disait de mettre donc Locatelli en milieu récupérateur, ce qui est une très bonne idée, hein. Et de faire... non, qu'est-ce que je fous? Attention, je remets... Allô, Paredes? Locatelli, pardon. Et donc de virer Paredes de là. Et de faire tourner les deux jeunes... ce qui n'est pas bête, hein. Miretti et Fagioli. Là. Et surtout que, comme il me le disait si bien, bah là déjà il y a Rabiot. Et en plus, il va y avoir les retours, hein, comme je l'avais déjà dit plusieurs fois. Il y a McKennie, sur qui j'aimerais franchement compter. Il y a Rovella, que j'aime bien aussi. Il y a le retour d'Arthur, mais Arthur, je pense pas qu'il va rester. Et il y a aussi notre ami... il est où? Il est pourquoi il est pas là? Il est où? Ah ben là, et il y a aussi Pogba qui est là, qui revient. Ici, il revient déjà dans 2 à 4 semaines. Par contre, pourquoi il est là, je n'en sais rien. J'espère qu'ils ne l'ont pas fait jouer. J'ai pas été très malin. Toi, tu reviendras plus tard aussi. Parfait. Donc, je vais revirer pour le moment les indisponibles. Donc, voilà. Donc, je vais arrêter de faire jouer notre ami Paredes parce que j'ai pas envie de payer sa clause. Et encore un énorme merci à cet abonné. J'ai la chance qu'il fait la même carrière que moi et que lui il a regardé d'abord, hein. Je comprends pas pourquoi je comprends pas pourquoi je suis pas allé voir, hein. Vraiment. C'est quand même grave d'aller foutre des options de prêt pareil. Vraiment, c'est une dinguerie, quoi. Donc voilà, je vais faire ça. Il va arrêter de jouer ou il sera dans les... Alors je ferai juste un test pendant le prochain match. Donc là il a 14 disputés. Donc je pense que ça. Le test est même pas. Voilà. Fagioli, Miretti. Rabiot. Et donc, soit Fagioli. Alors. Donc Fagioli qui a 21 ans. Ou Miretti, qui lui a 19 ans. Ça donnerait quoi en meneur de jeu avancé? Ouais.
Je vais les entraîner. Lui et... Hop. Il va vraiment être temps aussi que je me trouve une tactique et je n'en bouge pas et que je les fasse travailler leur poste. Et donc là, nous allons aller jouer à l'Udinese. L'Udinese. Rabiot. Je vais perdre Rabiot, ça pique. Ah ouais, il y a le Real en plus, ouais, bah c'est mort, je vais même pas essayer en fait. Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah mais oui, mais il est sur la liste, oui, il pétait les plombs. J'avais pas vu que son contrat était... Oh, mais j'ai déconné! Qu'est-ce que j'ai foutu avec cette carrière? Oh bah tant pis, hein, que je voulais que je te dise, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Ça disait quoi? Mais ça c'est mort, Real. Titulaire, non, bah écoutez, non, hein, je vais le laisser partir. Oh, quel imbécile! Mais quel imbécile, quel imbécile! Bon, je pense pas qu'il aurait re-signé, hein. De toute façon. Mais ouais, je vais être dans la merde. Parce que il y a autre chose que j'ai pas dit. Voilà, Alexandro va se barrer. Donc, il se barre le 25 janvier. Et à côté de ça, attends, c'est ouf. Départ. Diciglio aussi se barre le 25 janvier. Donc, le 25 janvier, je n'ai plus de défenseur gauche. Rien d'alarmant pour le moment. Parce que j'espère bien pouvoir faire une... Ouais, ça, je m'en fous. Danilo? Ils font ça. Danilo, c'est quand le fin de son contrat? En 2024, j'ai encore un peu le temps, on va. C'est fou, d'un coup, ils veulent tous partir. Manchester comme... Ah non, 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 mais Vlahovic, je vous le dis, il part pas, jamais de la vie. Alors par contre... On va toujours accepter ça au cas où on verra. Mais Danilo, il part pas. Je vous le dis, Danilo, il part pas. Mais il peut me parler du problème tant qu'il veut. 400 fois, il ne part pas. Mais rien à foutre, il ne part pas. J'en ai besoin, à un moment donné, je peux pas... Sinon, j'arrête la carrière tout de suite, quoi. J'ai plus de latéral, de latéraux, pardon. Je vais y arriver. Non, 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 tu pars pas, je m'en fous. Akomak, est-ce que je le prête?
Non, j'aimerais le prêter. Non, 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 non. Je vais leur acheter l'offre et si je le prête, c'est en Italie. Proposer au club. Est-ce que normalement je peux le faire offre de prêt? Club visé. Club nationaux. Joueur important. Ça, je vais pas toucher pour le moment. C'est quoi ça? Vise. Portugal. Portugal, c'est non. Clermont, c'est non. Majorque, c'est non. Vitesse, c'est non. Angers, c'est non. Et Girona. Mais nique-toi. Pardon. Mais vous êtes complètement con en fait. Mais qui sont fous, hein? Ah, j'ai dû... Attendez un peu. Clubs nationaux, c'est bien du coup des clubs italiens, non? Ah, exclure, imbécile, pardon. Offre de prêt. Exclure, club étranger. Voilà, c'est ça. J'avais pas vu le exclure, en fait. Voilà, maintenant... Mettre titulaire régulier. Mettre titulaire régulier, histoire de pas trop. J'avais mal lu. Tommaso Barbieri. 20 ans. Il vaut 275. Allez hop. Rhume. À domicile, malade. Ben ça ne nous arrange pas tout ça, tout ça. Mais je devais m'en douter hein, qui est avec... Oh, bonjour toi, je t'aime fort. Hein. Je devais m'en douter qu'il allait avoir un problème à un moment donné. Hein. À partir du problème ou à partir du moment... Et ça, c'est un autre souci que j'ai avec FM, mais bon, ça... J'ai vu d'ailleurs dans je sais plus quoi, j'ai vu quelqu'un en parler il y a pas longtemps... En disant que tu sais rien y faire en fait. Une fois que le club va mal, je veux dire IRL par exemple, IRL, si le club va mal, bah, tu sais parler aux gens, c'est des êtres humains comme toi, tu sais leur parler.
Dans le jeu, tu sais pas leur parler. Si eux ont décidé que c'était fini, point, quoi qu'il se passe. Et ça, c'est dommage, mais bon. Donc, tu dis Rabiot, Chiesa. Et là, je vais mettre qui j'avais dit? Celui de 21 ans, je crois que j'avais dit. Fagioli. Ça. Rabiot, ouais. De toute façon, Rabiot, il va partir. Je saurais rien y faire. Ma main au feu, que je saurais rien y faire. Il est ailier intérieur gauche. Il est les deux pieds. Di Maria, ça dit quoi? Prêt à jouer. Je vais mettre Chiesa. Di Maria. Vlahovic. La coupe de maman, c'est bon. Toi t'es blessé, toi tu vas être ici, et toi tu vas être ici. Voilà. Pogba, est-ce que j'ai mis progrès, entraînement, réduction générale? Parfait. Parfait, parfait. Donc voilà, je vais arrêter de faire jouer. Je l'ai mis sur le banc parce que j'aimerais voir quelque chose. Bizarre. Iling, Dichiglio, Kostic, Tapia, Kin, Miretti, Rugani, Milik, Akoma, Gliati, Perin. Bon, nous sommes à l'Udinese. Je voulais regarder un truc. Je l'ai pas mis. Iling, Giglio, Kostic, Tapia, Kin, Miretti, Rugani. Je voulais le mettre sur le banc pour voir un truc, c'est pas grave. Ah ben non, il l'est blessé. Oh! Pas blessé, il a un rhume. Quel moment pour un rhume Ah, c'est un rhume quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce délire? Comment je me suis fait prendre à ce point-là? Il n'y a pas de changement si jamais. Hein. À un moment donné, je suis à Juventus, je peux pas. Si en étant à Juventus, je peux pas me permettre de jouer haut. Enfin, à un moment donné, ça va être difficile, hein. Non, mais tire en fait mieux. Voilà, comme ça. Je préfère quelqu'un qui prend sa chance. Allez. Allez, je vous ai déjà vu mieux faire. Y a un autre truc qui est mal géré. Oui, je suis désolé, hein, je parle des trucs mal gérés parce qu'il n'y a que des trucs mal gérés, mais le fait qu'il soit fâché, direct il a une mauvaise note. Le mec il peut pas bien jouer, parce qu'il est fâché, il peut pas bien jouer, ça n'arrive jamais. Jamais un joueur fâché joue bien, jamais. Pourquoi? Or ça, allez savoir. Qui est à 6-3, ouf, pique, hein.
De toute façon, le match est perdu, hein, vu comment. Ouais. Bah, je vais encore péter les plombs dans le truc, je suis désolé, mais à un moment donné, tu peux pas te permettre. Mais oui, mais voilà, mais oui, mais oui, mais oui, tout à fait. N'importe quoi, n'importe quoi. N'importe quoi. Et il prend pas de jaune. Il y a pénalty, il prend pas de jaune. Et n'importe quoi, c'est. Putain, Chejny, allez quoi, s'il vous plaît, venez pas dire que c'est pas. Allez, vous avez vu Chejny, s'il te plaît? Oh oui, FM23, les gardiens, waouh, c'est devenu super bien maintenant. Bah ouais, putain, je vois. Je vois que c'est devenu super bien, les gardiens. Mon Dieu. Je suis épaté qu'il n'y ait pas hors-jeu. Vraiment, je suis épaté qu'il n'y ait pas hors-jeu sur mon but. Ah, d'un coup, Chiesa, voilà. Sérieux, quoi. Je vais me faire virer ou il va se passer une. C'est déconnant. Vraiment, là, j'ai jamais, jamais de ma vie, jamais vécu ça, jamais. Regardez, pour ceux qui ont vu mes vidéos, j'ai repris. Comment? J'ai pris Leicester en Angleterre en milieu de saison où ils étaient relégables de fou. Et regardez ma partie où j'en suis maintenant. D'ailleurs, je vais sûrement refaire une vidéo d'ici peu. Enfin, ça s'est pas passé aussi mal. Et pourtant, ils étaient plus dans la merde que la Juventus. Enfin, plus, non, mais. Enfin, vraiment, quoi. Vraiment. Ah oui, j'ai oublié. Oh, c'est pas grave. Sont depuis le début de la saison, il y a un truc qui se passe qui est pas normal. Autant de fatigue, c'est pas normal. Non, il y a des trucs qui se passent, c'est impossible. Rien que la fatigue, je vous le dis, c'est impossible. Dans des moins bons clubs que ça, on joue en plus. On n'a pas ça. Avant la mise à jour. Donc ça joue peut-être. Bon, je reste 15e malgré la défaite. Tant mieux. Sérieux, quoi. Danilo, tu vas prendre des semaines, je te le dis. Hein. Désolé, mais sanctionné, mauvaise prestation. Tu prends une semaine dans ta gueule. Hein. Hop là. Oh ben, à un moment donné, faut pas se foutre de moi. Hein. Je suis désolé, mais faut pas se foutre de moi. Hein. Hop, Sandro. Tac. Fagioli. Hop. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce qu'il a encore, lui? Je suis pas particulièrement heureux ici et je souhaite partir. Bah, casse-toi! Personne n'est au-dessus de personne ici, à un moment donné. Tu veux partir? Allez, hop, tu dégages. On propose au club. Moi, maintenant, j'en ai marre. Je suis comme ça. Hop, tu vaux combien? Moi, je t'ai dit, c'est 30 millions. Allez, hop, tu dégages. Voilà. Si quelqu'un veut donner 30 millions, donnez-moi 30 millions. J'irai chercher un défenseur droit. C'est pas bien grave. Bah, à un moment donné, je veux bien être gentil, mais faut pas déconner, quoi. Voilà, aucune offre. Tant pis pour toi. Il faut arrêter, hein.
Ah merde. Tant pis. Combien? 3-0. Dans 5 mois? Ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. On va essayer de s'en sortir sans péter les plombs. Je promets rien, mais on va essayer parce que vraiment il y a des trucs, c'est pas possible. On va essayer de s'en sortir. Je ne promets rien. Je sais pas encore comment. Il faut arrêter de nous faire jouer tous les 2 jours, hein, vraiment. Quoi? Ouais, ça, casse-toi. Casse-toi! Sandro va niquer. Je vais. Non, je vais arrêter parce que je vais être. Je vais être. Non. Max Kruse. Non. J'ai rien contre le gars, hein, mais. Bologne, il est cinquième. Sergio Arribas. Ah oui, c'est le C moins. Un contrat a été proposé par Cosenza, Luciano Pisapia. Faites-vous plaisir, vraiment. Une offre a été faite pour Di Pardo. Pardon. Ce sera toujours ça. Ce sera toujours des petits salaires de gagner. Ça, je vous ai pas montré, mais salairement, salairement, parce que du verbe salairement. on n'est pas au, mais c'est normal. Ah voilà, je peux. Tac. Parfait. Voilà, je me suis remis en positif, c'est déjà ça. Je me suis trompé, c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un pourrait jouer à la place de Rabiot? Le problème, c'est que Pogba n'est pas encore revenu, quoi. Ça m'embête que Di Maria veuille se barrer, que Rabiot veuille se barrer. Là, je vais mettre Tapia. On est bien d'accord, son contrat, il est à 14 disputés. Bon. Est-ce qu'on est reparti dans une spirale infernale ou... Je suis arrivé à motiver Rabiot déjà. Allez, on est à domicile face à Bologne. Faut essayer de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais à gauche, toi? C'est mon dit de jouer à droite. C'est quoi ça? Oh la dinguerie! Oui, en fait, il n'y a pas que chez moi, en fait. Il n'y a pas un truc où les gardiens devaient être meilleurs?
C'était pas censé être meilleur, les gardiens, dans FM23? Ok, et qu'est-ce qu'ils font cinquième, eux? La Chiesa, il a remonté tout le terrain tout seul. Joli, Milik. Il est hors jeu là-dessus? J'ai pas fait gaffe, j'avoue. Non, il me semblait bien. Il me semblait bien. Kaiser, deux passes D au calme. Et ils sont cinquième. Alors je critique pas, hein, loin de là, hein, mais. Après, hein, on a vu ce que ça pouvait donner quand je l'ouvrais. Hein, donc je vais la fermer, clair, bien, bien convenablement. Histoire de pas aller me prendre une clim venue de l'espace là. J'ai envie de dire. Allez, oh dommage! Ah, oh, celle-là, si elle passe, c'est beau. Non, 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 mais pas de dinguerie comme ça, allez! Trois dingueries sur un match, tu m'expliques ça comment? Y a pas un truc où les joueurs devaient être plus intelligents, mieux faits, mieux machin? Or qu'il y en ait une, je peux le comprendre, mais trois sur un même match? Faut arrêter, quoi. Que je gagne ou que je gagne pas, je m'en fous, hein. Je suis désolé, mais faut falloir arrêter de venir me dire que FM, genre, c'est la vie. Si, c'est un peu la vie, mais. Quand je suis énervé, je m'exprime mal. Donc voilà, FM a décidé que maintenant, la difficulté, c'est ça. La difficulté, maintenant, c'est ça, c'est la frustration. Allez sur un stream de Zach Nani et parlez-lui d'FM, vous allez voir. Parce que sinon c'était pas intéressant de pas avoir de blessés à un moment donné. Donc maintenant, il va y en avoir 3 ou 4 autres qui vont suivre dans pas longtemps. Ça, j'en mets ma main au feu. Rabiot, il va se casser, donc je m'en fous. Il a qu'à crever sur le terrain. Je suis méchant. Je suis méchant. Mais non, oh putain, mais sérieusement, quoi? Sérieusement? Je vais sûrement le gagner, mais. Il y a des dingueries! Et pas genre une, hein! Quand je dis 3, c'est pas 3, je crois que c'est 2, mais on s'est compris. Toutes les autres petites, ça fait bien une. Moi, j'ai fait aucun changement, j'en ai rien à caler. Alors, Kostic. Rabiot. Rabiot. On va mettre Miretti, tant pis. Fagioli. On va mettre Locatelli, voilà. Et Danilo, on va mettre personne. On va mettre Rougani ici. Rougatu, on s'en fout. Au moins ça va déjà faire 3 points. Déjà ça.
premier but d'Acomac. Elle va peut-être pas être prêtée finalement. Deux à trois semaines pour Keane. Allez! Kaysa, on va le saucer un petit peu. Un jour de repos. Et je joue, enfin. Je rejoue l'Udinese, puis Brianza, Cremonese. C'est déjà le deuxième, hein. Depuis Keane s'est blessé, j'ai dit quoi? Vous allez voir. Infection virale. C'est soit un domicile. Je pense que même la Coupe d'Italie, je vais y aller en mode rien à foutre. Parce que j'ai vraiment, vraiment envie de me concentrer sur le... Ah oui, je voulais voir quelque chose. Offre de prêt pour Danilo, oui, vous avez fumé, hein, vraiment. Hein. Oh, la drogue, c'est mal. Hein. Vraiment. Je voulais faire quoi? Oui, ça. Paredes. Contrat. Ok, donc il peut être... Ok, d'accord. Donc il peut quand même être dans le dans les remplaçants sans que ça compte pour un match. Donc il doit les jouer. Donc il doit être sur le terrain. C'était pour être sûr. Au moins maintenant j'en suis sûr. On va voir si il peut. Le samedi 1er juillet 2023. Ok. Parfait. On verra s'il peut passer un échelon ou si... Il n'a que 22 ans, il a 15 de déter, il a déjà de très bonnes stats. Je pense... Voilà, je pense que ça peut être bon. On verra. C'est pas pour maintenant de toute façon, c'est pour fin du championnat. Ouais, José Gaia, c'est 100 millions, tu m'as pris pour qui De Kudrig. Je sais même pas qui tu es. Oui, et qu'est-ce que tu veux, toi? Un nouveau contrat, oui, t'as fait. Oui, c'est ça. Oui. Non. Non, non, non. Non. Insister. Non, mais t'as. Tu t'es, je te connais même pas. À quel moment tu te permets de. À quel moment? Non, mais.
mais genre. Et vous êtes pris. C'est fini le Club Med à la Juventus, là. C'est fini, hein. Faut bien vous mettre ça dans la tête. Je vous avais prévenu que c'était fini, hein. Intéressé par un prêt de Danilo. Mais il ira pas en prêt, Danilo. J'ai besoin de lui pour le moment. Mangez vos mères. C'est non, c'est non, et c'est non. Transfert. Non, pas ça. Danilo, attendez. À faire autrement. Dispo transfert. Dispo prêt. Hop, pas de prêt possible. Merci bien. Prêtez Danilo. Mais qui à sa place, moi? Non, mais en vrai. Bon. Bon, bah, Perrine, tu dégages. Kim, tu dégages. Alors, Milik prêt à jouer, c'est parfait. Chiesa prêt à jouer, c'est parfait. Je vais faire jouer Akomak. Je sais même pas comment on dit. C'est Akomak, Akomar. Je sais pas comment on dit. Rabiot, ça dit quoi? De toute façon, Rabiot, je m'en fous. Il a qu'à mourir sur le terrain, je lui avais dit. Fagioli va jouer. Ouais, Tapia. Ouais, Tapia va jouer, Chiglio va jouer, Bonucci, Bremer, Danilo, ouais. Je vais même peut-être changer ici. Mettre Gatti, tiens. Ouais, non. Donc Danilo, parce que j'ai pas le choix, hein, on est bien d'accord. Hein. Bah j'ai Cuadrado, mais qui fait complètement manque de temps de jeu. Bah tu sais quoi, tiens, Cuadrado. Hop là. Par contre, il va falloir que je mette Danilo sur le terrain. Enfin, c'est compris. Il a quel âge, ils disent? 17 ans? Jouer avec les U20. Pogba, c'est pas encore tout de suite, c'est déjà 2 semaines. Si on perd, c'est pas grave, mon but cette saison-ci, c'est le championnat. Point. Allez, c'est parti. Par contre, j'ai oublié. Pourquoi il n'y a pas de son? Bah, c'est bizarre ça. Voilà, il me semblait bien qu'il manquait quelque chose. On se disait, c'est pas très très pro, mais. Oh, ça c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Ça aurait pu être un joli but. Oui, Kéza. Donc ça voudrait dire qu'il va falloir que je trouve un défenseur gauche et un défenseur droit.
Et Chiesa. Oh, dommage. Dommage. Ça aurait été beau. Je suis sûr qu'on va s'en relever de tout ça. Par contre, j'aimerais un deuxième but si c'est possible. Si c'est pour gagner, autant. Ouais, Milik. Oui, Milik. Il est hors jeu. J'ai pas fait gaffe encore une fois. Ouais, but accordé. Ça m'aurait étonné, mais j'avoue que je ne devais pas avoir fait gaffe pour une fois. Tantôt non plus d'ailleurs. Encore une fois, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des idées. Même des joueurs, hein, si vous avez des idées de joueurs, faites. Hein, pas de soucis, moi je regarde. Hein. Oh. Cette passe de la mort, quoi. Tu peux pas te permettre ça, mec. Vraiment. Oui! Oh! Là, par contre, il est peut-être hors-jeu. Ouais. Là, il y avait peut-être hors-jeu. Bah, il y avait hors-jeu, en fait, tout court. Fagioli, Miretti, Dichiglio, Alexandro, Rabiot, Paredes, non. Locatelli. Chiesa qui a fait un très bon match. Healing, c'est celui qui est gaucher. Bah, il va faire ailier. Il va faire ailier. Voilà, voilà. On croit en vous. Mais je ne m'explique toujours pas ce problème de fatigue. Hein. Vraiment, là pour le coup. Autant j'ai fait des erreurs, et je le dis et je le sais, j'ai fait des erreurs dans cette partie. Mais ça, je pense pas. Hein. La fatigue, vraiment, je pense pas. Hein. Ilias. Oh, dommage. Je vais l'appeler Ilias. Sans être sûr de comment se dit son nom de famille, je vais dire Ilias. Oh, ils ont Florent, ils ont... Wesh, belle victoire. Alors, effectif. Un jour de repos, surtout qu'il y a Brianza en 3 jours là. D'où le fait que j'ai fait reposer avant, hein, que j'ai fait bien bien tourner. Une offre de Utrecht pour Hachdari. Tu as 19 ans. Tu es défenseur central. Série C. À 19 ans. En plus, t'es blessé. Parlez-moi pour Ratti. Leonardo Ratti. En plus, t'as perdu de la déter. Ce qui est jamais une bonne nouvelle pour un joueur.
Bon, Brianza 16e, il faut absolument gagner, hein. Et Cremonese aussi, hein. Je sais pas combien de matchs j'ai fait, mais je vais faire celui-là parce qu'il n'y a que 50 minutes de vidéo. Rabiot à Newcastle. Oh, le 1er juillet, parfait ça! Je pensais qu'il... Comment ça se fait? Ah, bah oui, c'est parce que... Oui, d'accord, il signe fin de contrat. Ok, d'accord. Parfait. C'est parfait. Nickel. Nickel, nickel. Flumano. Ouais, bah c'est ça, casse-toi. Mais cassez-vous tous. J'allais dire quand tu veux, hein. Pareil, casse-toi. 100 000? Minimum 150, je te préviens. Y a pas de petites économies, c'est ça. Bonucci, Sandro. Locatelli, Fagioli, Rabiot, Akoma, Chiesa, Milik. Je vais mettre Vlahovic. Di Maria. Quarante-cinq minutes de jeu recommandé, on va peut-être mettre 45 minutes du coup. Bon. Serait-il possible de gagner contre des équipes plus faibles, s'il vous plaît? Merci. Allez. Coup d'envoi. Oh oui, Vlahovic. Normalement, ça c'est des équipes qui ne durent jamais dans le temps, même si par moment... Putain, tu te fous de moi ou quoi? Vraiment, tu te fous de moi quoi? Je sais plus ce que j'allais dire du coup, ça m'a cassé mon... Oui, ça peut arriver qu'ils fassent des dingueries au début de championnat, machin, qui tiennent tête, mais à un moment donné, ça s'applique quoi, ce genre d'équipe. Bon, bah voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Ça fera le troisième, hein. On dira encore que je dis des conneries, mais encore une fois, ça fait 3 sur très peu de temps. Oh, t'es sérieux, ce but-là? Allez, s'il te plaît! Sérieux! Enfin,
Bah, je veux dire, faut arrêter de me. On va encore dire que je mytho, mais je mytho rien du tout, hein! Oh, le mec s'est blessé. On va me donner un penalty et le mec s'est blessé en. Oh là, ça c'est triste pour eux. Vraiment, c'est triste pour eux, ça. Alors là, vraiment, je suis triste pour eux. Je sais pas s'il s'est blessé, j'ai pas vu. S'il est sorti blessé. Toi, voilà, parfait. Pour Cuadrado. Ah! Mais putain, tiré, bordel! Attends, Locatelli va se calmer. Ah, oh, je peux pas. J'avais oublié. Il y a un jeu là? Fagioli va laisser sa place. Allez, tire! Oh, fallait tirer! Bam! Comme ça! Elle est pas dedans, c'est pas grave, ça, c'est pas bien. Mais au moins, t'as tenté. Je vais faire comme ça, mettre un comac ici. Ilias, pardon. Comment ça? Ah, oh, imbécile que je suis, tant pis. Tant pis! Je vais rester en positif. On va essayer de blinder. Hein. Un 2, je suis pas content. Hein. Enfin, je suis pas content. Si ça reste un 2, si, je serais content, mais... 6 minutes. Mouah. Tant pis, Bremer, Rafa... Ouais, c'est pas grave. Donc, voilà. Je vais... Hop, 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 hop. Parfait. Hop là, bah ouais. 1, 2, 3, 4. 4 blessés. Comme d'habitude. Hein. C'est jamais, c'est toujours minimum 4. On viendrait dire que c'est pas vrai. Mais là, ça, là si c'est vraiment pas de bol, imaginez-vous le coup de pas de bol à ce point-là. Qu'à chaque fois, depuis que j'ai commencé FM23, à chaque fois qu'il y a des blessés, c'est sur une courte période et beaucoup. Bon, enfin voilà. Enfin voilà. Un grand merci à vous. Je vous laisse là. Ciao, bye, merci.